bisika nyonso bozuri baku ya kolanda solo la plus ya mokola lelo lundi 17 juin 2024 yango ebandi mbote nebi. Mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki invité mokola lobi na grande fête ya Tabaski organisée na communauté islamique vivant na République démocratique du Congo. Bozwa détail. Bazalaki ebele mokolo ya dimanche 16 juin 2024 en esplanade ya Palais du Peuple esika wapi ba musulmans basanganaki pona ko célébrer Tabaski fête religieuse monene oyo ezali plus grande célébration ya foi na bango na fête majeure oyo ba musulmans ba partageaka ba repas ebele pona ko commémorer soumission ya Abraham tangu Nzambe asengaki a sacrifié fils unique na ye manière ya ko tester kondima na ye. Après grande prière oyo ba différents représentants ya communauté islamique bazalaki convié na salle des banquets ya palais du peuple pona ko continuer fête oyo avec un pacte paix idéologie. Invité de marque zalaki bongo président ya République démocratique du Congo chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo zalaki chaleureusement accueilli na assistance. Tangu azwaki maloba Fatshi Béton a condamnaki division au sein ya communauté islamique na Congo pe autre forme ya discrimination. Je voudrais par cet acte vous manifester toute l'importance que j'accorde à votre confession. Aujourd'hui, j'ai eu la tristesse d'apprendre par la bouche même de la ministre d'État ici présente que ces divisions sont revenues et elles se sont même encore accentuées. Je vous en prie, je vous en supplie, mettez fin à cette guerre fratricide et inutile. Entendez-vous? Et je suis prêt à vous recevoir tous les représentants de ces tendances qui seront conduits auprès de moi par la ministre d'État ici présente pour vous parler moi-même et obtenir de vous que vous organisiez finalement cette assemblée générale qui va permettre de et tant que je serai président de ce pays, je n'accepterai jamais de discrimination dans les confessions religieuses. Natour na bango communauté islamique basambelaki pona kimia durable na République démocratique du Congo pe ba témoigna ki soutien na bango na premier citoyen ya Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatshi Béton ndenge kaka balobaka toute autorité vient de Dieu. Heke yo. Weekend eleki, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé qui première réunion ya conseil des ministres ya gouvernement Jilit Soumimoi Touluka reportage. Madame la première ministre chef ya gouvernement excellence Jilit Soumimoi Touluka P54 autres membres ya gouvernement naye ba assista ki weekend eleki na première réunion ya conseil des ministres présidé na mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatshi Béton réunion consacrée na prise de contact. Comme à l'accoutumée, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pesaki discours na ye orientation liboso ya ba nouveau membre ya exécutif national Fumu Yenkolo République démocratique du Congo. Son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a félicité ki moko na moko avant ya ko rappeler bango ba défi ya minene oyo ezali kozela équipe oyo ainsi que ba obligation ya ba résultat. Fatshi Béton a exhorté Kibango ba se mettre na musana na lombangu nyonso esika wapi a invité Kibango na sens ya engagement ndenge awa première ministre son excellence Jilit Soumimoi Touluka a talisi. Ça a été l'occasion de pouvoir présenter toute l'équipe gouvernementale à son excellence monsieur le président de la République chef de l'État. Nous avons au cours de cette réunion eu une première prise de contact.
Le chef de l'État, à cette occasion, a donné un certain nombre d'instructions, a rappelé à l'ensemble des membres du gouvernement, mais particulièrement aux nouveaux, la manière dont la gouvernance devait être menée. Nous sommes au service du peuple, au service du pays, et il faut que le travail commence. Kasi Sengel Boyebake rencontre Oyo et intervenant qui un jour après 61e anniversaire, il y a président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier ministre P équipe Naye, Balinga qui ko passé sous silence T événement Oyo. Voilà pour vous. Merci. Je l'ai pas fait. Il y a quatre tableaux. Ce sont des masques de toutes les ethnies de la RDC. Avec une cartographie de tous les masques et les provinces. Après tout, premier conseil des ministres Oyo Moussala et Sengeli donc y répondre chocho pour population et Zali Kozela par résultat. Yenke yo! Natou Naye, ministre de la communication et média, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Salaki compte rendu du Conseil des ministres. Union ordinaire du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 14 juin 2024 la première réunion ordinaire du nouveau gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa-Tuduka. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Présentation de membres du gouvernement. 3. Points d'information. Et 4. Examen et adoption de textes. Dans une ambiance très conviviale, le président de la République, chef de l'État, souhaitait la bienvenue à tous les membres du gouvernement. Dans sa communication, il a tenu d'abord à les féliciter pour leur nomination, mais il a aussi félicité ceux qui ont été reconduits nouvellement dans ces gouvernements de la République. Avant de tracer la ligne de conduite pour les ministres, il a souligné la nécessité pour chacun d'entre eux de mesurer l'ampleur de la mission qui leur a été confiée. Vous êtes ici pour la République. Vous devez oublier vos couleurs politiques, vos convictions religieuses, pour vous mettre totalement à la tâche et répondre aux besoins de nos populations, a-t-il martelé. Au sujet de la situation sécuritaire qui reste une question prioritaire, le président de la République a invité les nouveaux membres du gouvernement à être des lobbyistes de cette cause dans toutes les rencontres internationales auxquelles ils seront conviés. À lui d'insister. Nous devons tous nous assurer que nous contribuons effectivement au retour de la paix dans l'est de notre pays. Sur un autre chapitre, le président de la République a annoncé qu'il sera procédé à intervalles réguliers de 3 mois, un suivi et une évaluation de l'action de chaque membre du gouvernement pour s'assurer de son efficacité. Les conséquences seront tirées au terme de chaque évaluation, a-t-il souligné, tout en recommandant la bienveillance, la courtoisie, la sobriété, la bonne gouvernance et l'exigence d'une conduite irréprochable dans tous les domaines au regard du caractère prestigieux des fonctions ministérielles. À lui de préciser, la solidarité gouvernementale est une valeur cardinale qui devra être impérativement respecté de tous. Le président de la République a terminé sa communication en souhaitant plein succès à chacun de membres du gouvernement et a souhaité que Dieu les accompagne dans l'accomplissement de leur mission. Dans une ambiance conviviale, les membres du gouvernement, avec en tête la première ministre, ont profité de l'occasion de ce conseil pour présenter les vœux le meilleur au président de la République au lendemain de la célébration de son anniversaire de naissance. Les remerciements. Le président de la République a de nouveau, avant de lever la séance, rappelé aux membres du gouvernement la nécessité pour eux de se désintéresser de tout
et de se dévouer entièrement au service de la République. Commencée à 15h27, la première réunion du Conseil des ministres du gouvernement dirigé par la Première ministre Judith Suminwa-Kiluka a pris fin à 17h23. Je vous remercie. Toti kalaka kana dossier ya Conseil des ministres po na koyebisa bino ke Première ministre Judith Suminwa-Kiluka soumi moi na kombo ya gouvernement mobimba remercier ki mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po na marque de confiance. Reportage. Au chapitre 2 relatif à la présentation de membres du gouvernement. La Première ministre chef du gouvernement a d'abord tenu sincèrement à remercier le président de la République, champion de la masculinité positive, pour sa nomination à la tête du gouvernement en qualité de première femme à occuper ses postes dans l'histoire de notre pays. Ensuite, la Première ministre chef du gouvernement a procédé à la présentation de chaque membre de son équipe au président de la République. Elle a profité de l'occasion pour dire la gratitude des ministres pour la confiance que le président de la République a placée en chacun d'eux et en leur confiant la gestion des différents secteurs de la vie nationale. La Première ministre a également dit son engagement à faire exécuter le programme d'action du gouvernement sur base duquel elle a été investie à l'Assemblée nationale et qui s'effonde sur les 6 engagements souscrits par le président de la République à l'occasion de son discours d'investiture qui a suivi sa brillante réélection. En vue de doter les gouvernements des outils nécessaires pour son fonctionnement harmonieux et au regard des spécificités contenues dans chaque configuration, dans la configuration actuelle, un travail de modification de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement est en cours d'élaboration d'une part et celle fixant les attributions de ministère d'autre part. Faisant suite au débat général sur le programme d'action du gouvernement en marge de l'investiture à l'Assemblée nationale, où les députés nationaux ont insisté sur la nécessité de travailler avec les indicateurs pour permettre d'apprécier l'évolution du travail du gouvernement, la Première ministre entend transmettre à chaque membre du gouvernement sa lettre de mission en vue de leur permettre d'élaborer une feuille de route. Et c'est sur la base de cette feuille de route que les ministres seront régulièrement évalués. La Première ministre a aussi annoncé l'organisation dans un bref délai d'un séminaire gouvernemental pour permettre aux membres du gouvernement de s'imprégner de principes qui doivent les guider dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Compte tenu de certaines urgences, et au regard du calendrier de l'Assemblée nationale dont la clôture de la session ordinaire intervient ce samedi 15 juin 2024, elle a annoncé la présentation d'un projet de loi d'habilitation du gouvernement. Clôture, il y a session, il y a mars, c'est Salamaki, week-end et les qui, dans l'Assemblée nationale. Vous avez des détails dans les commentaires, Oyo. Na discours na ye ya clôture, speaker ya chambre basse ya parlement, honorable Vital Kamere, a rappelé qu'il n'avait élu du peuple, importance ya transparence pe ya reddition de comptes. Vital Kamere a souligné kike, ba député nationaux et sengeli ba produire rapport moko pour na ko évaluer exécution ya programme ya gouvernement. À la fin, conformément à l'article 45, 145 du règlement intérieur, vous avez l'obligation de produire un rapport à déposer à la prochaine session. Cela va permettre à notre institution d'avoir la vraie réalité de la base quant aux promesses faites et d'évaluer le niveau d'exécution du programme du gouvernement. Honorable Vital Kamere, alingi ko répondre na batante ya population oyo bazali ko souhaiter que salaire ya belu du peuple équitable a rassira kike ba ko matisse la bango salaire te pendant exercice oyo. Clarification, les députés qui ont travaillé, puisque nous avons le devoir de transparence, leur salaire peut être vérifié par tout le monde
et je mets quiconque au défi de prouver que les députés gagnent 21 000 dollars. Cette chanson doit disparaître car aujourd'hui, les députés, tout avantage confondu à 14 millions de francs congolais. Et le chef de division a près de 5 millions de francs congolais. Nous avons dit que nous allons restreindre la tension salariale. C'est un geste de patriotisme, vous devez vous applaudir. Kasi Sengel Boyebake, avant le discours solennel, il y a président de l'Assemblée nationale, plénière et Yambaki, pays adopté qui, point important, tel que adoption, il y a projet de loi d'habilitation, dont économie, il y a texte, et ça là qui présenté la ministre d'État, ministre de la Justice, et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Oyo a sollicité qui paie a obtenu qui auprès y a représentation nationale adoption y a projet Oyo. Na Oyo est allé commission spéciale chargée de la vérification et validation y a un mandat y a 39 députés. Résolution est allé qui a adopté après quelques éclaircissements. Concernant point et entrée dans réquisitoire, il y a procureur général près à cour et à cassation sur affaire il y a forage et lampadaire impliquant ancien ministre il y a finance Nicolas Kazadi, Assemblée nationale et autorisaki ouverture il y a instruction judiciaire contre ancien ministre il y a finance Lelo député national Kasiba Adera quitté na demande il y a commission sollicitant na bureau demande il y a procureur général pour na lever y a mesure visant na ko restreindre ba mouvement y a concerné. Dossier à suivre. Ba élu du peuple bazala kité ko réagir par rapport y a session y a mars ou outi ko les câbles en détail. Mal, le train est en marche. En marche parce que vous voyez comment les premières sont en train de se dérouler. Voilà pourquoi nous, en tant qu'élus, c'est un motif de satisfaction. C'est ce qu'on attendait, avoir un bureau, un président qui dirige le plénière comme il se doit, de nous donner surtout parole, pas de façon sélective, mais à tout celui qui veut s'exprimer, de parler. Cette session a été marquée par la prise de fonction de l'honorable président Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale, un nouveau bureau. Et nous avons vu une nouvelle dynamique s'installer au sein de notre institution qui rencontre la volonté de la population. Il y a eu plusieurs actions, mais nous allons retenir l'action principale qui est celle de l'installation du gouvernement sous Minois après avoir réussi la présentation de son programme d'action par la première ministre Judith Suminois. On a perdu 6 mois depuis qu'il y a eu l'élection. Il a fallu que le gouvernement soit là et nous sommes contents parce que il a fallu d'abord voter le bureau de l'Assemblée nationale. Chose faite, aujourd'hui nous avons un bureau très efficace parce que nous avons un président très intelligent, très sage, qui conduit bien les débats. Et je pense que tous les objectifs fixés par les députés, nous sommes en train de les faire petit à petit et je pense que nous allons évoluer. Et aujourd'hui, on a clôturé la session. Nous sommes contents parce que le gouvernement est là. On a accordé la place au gouvernement de travailler comme il faut. Et je pense que le pays a déjà décollé et on va atteindre l'objectif. La démocratie s'exprime et nous, députés, il y a aussi l'avènement du gouvernement, l'investiture du gouvernement, dans lequel le peuple place son espoir. Et voilà les grands événements que je peux dire, mais principalement l'installation de la démocratie au sein de l'institution, la manière de bien diriger les choses en laissant les députés s'exprimer en toute liberté, l'opposition et la majorité, tout le monde s'exprime, tout le monde a droit à la parole. Félicitations aussi à l'honorable président, l'honorable Vital Kamerhe, parce qu'avec lui, nous pensons que tout a été clair. À ce qui concerne les émoluments de ceux des députés, de ceux qui sont habitués toujours à crucifier, à salir les députés, vous avez suivi que nous voulons la clarté. Nous voulons que les choses se passent d'une manière beaucoup plus claire. Et les députés ne touchent que 14 millions de francs congolais. 14 millions de francs congolais au taux d'aujourd'hui de 2810 ou 820. Allez-y comprendre, ça ne fait que 5 000 quelques dollars.
Et alors, nous n'avons pas compris pourquoi ceux qui étaient à la mandature passée ne pouvaient pas aller dans ce sens-là. Nous, cette mandature, nous tenons absolument, ce n'est pas l'argent, mais c'est le peuple congolais qui nous intéresse. C'est des questions liées à la vie de la population. Et nous pensons que la session de septembre, ça sera quelque chose de très bien. Nous ne pouvons qu'encourager notre bureau. Vous savez, les députés se plaignaient pour la non-ponctualité lors de nos plénières, chose qui a été complètement réparée. Aujourd'hui, il est clairement établi que l'heure indiquée à l'invitation de la plénière pouvait être respectée. Et donc, avec ce nouveau bureau, vous voyez que si la plénière est convoquée à midi pile, le président est là avec tout son bureau et l'on commence la plénière. Avec le nouveau bureau, nous sommes contents parce que les réunions commencent à temps. Ils respectent, d'ailleurs, le président arrive avant tout le monde. Chose intéressante. Et les deux, sa façon de conduire le débat, les droits, il est cohérent et transparent dans sa façon de gérer l'Assemblée nationale. Nous attendons tout simplement les actions concrètes. Je me dis, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes consciencieux pour relever certains défis dans ces pays. Et c'est possible. Il suffit tout simplement qu'il y ait une prise de conscience. Sacré champion, il y a 58e édition, il y a Coupe du Congo, il y a football. L'association sportive Vita Club, Azwaki, trophée Naye, Namaboko, il y a premier sportif congolais, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au terme, il y a finale Liboso, il y a Celeste FC, il y a Équateur, soldé, Nanote, il y a 1 but à 0. Association sportive Vita Club, il y a Kinshasa, a remporté qui sacre, il y a 58e édition, il y a Coupe du Congo, il y a football. Week-end et l'équipe, plus précisément, mon collègue à samedi 15 juin 2024. L'arbitre du match, Jean-Jacques Ndiala, donne le coup d'envoi de cette finale. ASV Club, équipe ya capitale, a assuré qui place Naye na Binter Club, ya Coupe, ya Confédération, ya CAF, complétant liste, ya ba qualifié tout puissant Mazembe Anglebert, AS Maniema Union, Saint-Éloi Loupopo. Le Béninois Anglais. Attention, ce dégagement raté des Dandé Junior et la frappe. Na stade de martyr de la Pentecôte, marqué na présence ya chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, ba Moscovitch bazwa ki contrôle ya match après que Jonathan Ikangalombo a profité d'une erreur ya gardien David Opunja pour na ko marquer unique but à partir quelques minutes avant la pause. Quel arrêt joué avec Wimi Jacques. On contacte donc le gardien Opunja, la bourde. La bourde de Punja David, Ikangalombo sans pitié pour punir Opunja David et Céleste. Désormais 1 pour Vita Club et 0 pour Céleste. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas avoir confiance. C'est ce qui vient de faire le portier de cette formation des Céleste. Manque de concentration et ça paye cash à cette formation qui va donner de la confiance, qui va donner du tonus à la SV Club Kinshasa. Il devait jouer simple. Il devait jouer simple, il a voulu compliquer la vie et les Banambongo vont enfin souffler. Jonathan Ikangalombo, Capella, qui a profité. 1 but à 0, score final. Ainsi, Banambongo a eu l'occasion de rêver encore plus mieux saison prochaine parce que saison Oyo et Zala qui pendia Malamouté lors de la playoff de l'Ina Foot. Oyo V Club a sélectionné qui 5e dans le classement et à 8 équipes. C'est donc terminé, Vita Club, vainqueur de la Coupe du Congo. Trophée, il y a 58e édition. Izala qui remis na premier sportif congolais, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, il y a République démocratique du Congo, l'ambiance moko, il y a Kusakanati. Motor équipe na yo, motor équipe na yo, bawana baliga imana matiti mabe, bawana bilima makila ya wolobo, biso tola para biso vita ede, biso tola pape ya mokonzi atela, bana bongo. Yeah.
na moto na équipe na yo. Na kozwa Coupe du Congo oyo Association Sportive Vita Club a empoché $100,000 américains comme récompense pe Celeste FC vice-champion a zui $60,000 américains. Yeke yo. Biso to la para biso vita ebe. Biso to la pape ya mokonzi atena. Bana bongo. Vous allez tellement ébélé à continuer dans ma vidéo pour nous souhaiter un anniversaire et là mon botama et là mon dernier balobaka na linga la kasi sélection. Il y a quelques vidéos yango te proposer bino. Et là, heureux anniversaire, joyeux anniversaire à toi, les guerriers combattants fils Mani. Que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te protège. Depuis Bruxelles, le DJ Arobaz. Profite de ta journée. On est ensemble, merci beaucoup. Joyeux anniversaire, grand prêtre, fils Emani et grand journaliste. Que dit bonheur, que Dieu te bénisse. Si, si, Daddy Nathan, Do, la star, papa soin, papa Moelo. Profite bien, Tata Pamola, fils Emani et Nabiso. Heureuse fête d'anniversaire à toi, mon frère. Fils Emani, que du bonheur. Sois béni à jamais. Mais vaut tard que jamais. Si ton frère est mentor en direct de quelque part, I wish you the best. Profite bien. Joyeux anniversaire à toi, mon ami de tous les temps, les grands journalistes Yamboka, autrement dit machine, ma vitesse. Fils et mani, et Keyo, que du bonheur. Zambaba Telayo, Abadisibé Bélé, plein de bonnes choses, mon ami. On est ensemble toujours. Ça, c'est votre ami, l'artiste Dieudonné Yoma, autrement dit Mobali. On est ensemble. Toujours. Fils et Mani, journée à l'élo, Léa Mela Dondoa, Mekobo Sananzambete. Oumela, Oleka Fleuve Komo. Toujours. Joyeux anniversaire à toi, fils et Mani. Fils et Mani, Happy Best. Une année de plus, c'est pas facile, mon frère. Profite-toi bien toujours. Léa Mela, présent Mbotamana, fils Mani, Ekeyo. Donc, le plus bel, c'est Yaya, Mboula Moko, Bakisami, Lugola Mboula, et dans Tsakate, fils Mani. Balobi Yonde Makambo, Léa 11 tabac, pour te faire un anniversaire, check. Ouais, joyeux anniversaire à toi, fils Mani, Moutinanga Yakati. Les Ako Yinda, Mboula Lelo, Pena, Nabisé Ako Yinda, Lopela Mboulou, Nemoula Moussa, Nabisé la Capella. Mutunanga bota mi fils Emani, mutunanga kati joyeux anniversaire à toi fils Emani. Mutunanga yakati lelo pena baby sa sera makufuta. Baby sa lelo sera makufuta fils Emani mutunanga yakati. Ezako beba mokola lelo fils Emani mutunanga yakati. Yango. Joyeux. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi. Ouh fils Emani. Fils Emani mon frère. C'est bien mon tonton et l'ongue Kalo. Aujourd'hui c'est ton jour, fais-toi très bien. Zamou Kolonayo. Joyeux anniversaire à toi, fils man. Vous en avez un bébé, hein. Joyeux anniversaire à mon ami Mani. Beaucoup de bonheur et succès pour ce un an plus. Qui plaise à Dieu de faire beaucoup de bien et que tes voulues soient vécues au nom de Jésus. Nous t'aimons beaucoup. Beaucoup de bisous à toi. Bisous. Fils Mani, aujourd'hui c'est ton jour. Une année de plus, ça s'est fait, t'es mon pote. Plein de bonnes choses, ça va passer, ça va ton dissonner, c'est ma oumé la doudoua. Le l'homme au corona, on a bien la bandit, on a chico, on a chaud. Et puis, il y a ma ramoutou, ça qui tourne, qui tourne. On est ensemble. Fils, ton gosse, ma bouta, ma bakosa. Et à yoto, yoto, kati. Joyeux anniversaire, Mbotama et Lamou, à toi mon frère, mon gassur, grand prêtre et des grands prêtres, fils Mani. Que Dieu te bénisse, qui te donne tout ce que ton cœur désire. Yomo Yegum Tounoumaï, de la part de Gas Fabulous, ton artiste en direct de quelque part dans le monde. Courage à Valouka Viva, Lingui Bajeto, Pessi Bamouman Zangali. Le ensemble, mon gars, faites ça bien. Ouais, happy birthday to you. Joyeux anniversaire à toi, mon Moutou, mon frérot. Fils Mani, que du bonheur profite bien. Un an de plus, ça s'est fait. Hein? Faites ça bien, Yui Biakati est dedans. On est ensemble, que du bonheur. Va toujours, yo papa. Hein? On m'a tout fils.
nouvelle bougie d'accord de plein succès à toi. Joyeux anniversaire, mon ami d'enfance. Alors, oui, bien, mon ami d'enfance. Il va donner tout souple. Les Kassamoulou, à moins d'aller fichier ça à Marseille. Et Paris, à Brazzaville. Et Helsinki, à Turquie. Allez, mon cher. Panza Mela, pourquoi tu refous ça? C'est ton ami d'enfance, Arlaï, le monde, depuis ma tête. Quel bonheur pour tout. Kinshasa est tombé, donc rien à dire. Donc, Andekita, check. Check, c'est pas pareil. Bon anniversaire à toi, mon frère. Mon confrère, fils Mani. Autrement dit, le maître, le ceinture noire. Quel bonheur, Nayo, mon cher, là où tu es. C'est de la part de ton frère Bomba Communication vers Sénégal, la 12e Dana Communication, chef d'état-major général, mais c'est les journalistes. C'est pas pareil, on est ensemble, mon cher. Donc, joyeux anniversaire, Nayo. Quel du bonheur là où tu es. Prospérité, élévation, bénédiction, ça la partage pour Nayo et surtout, côté Apollo Nabiso, Panza Panza Kingodi, Ngodi, 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 Népesa Solar, Yo Yébiko. Check. Papa, mon homme, mon ami, mon meilleur ami, mon cœur, mon chéri, l'homme qui a fait de moi la femme que je suis, que Dieu te bénisse, que tous les vœux de bonheur te soient accordés en ces jours, que Dieu te fasse du bien, que tout ce qu'il a prévu pour toi cette année s'accomplisse, les papas de mes enfants, les grands frères de mes petits frères, et de mes petites sœurs, les petits frères de mes grands frères et grandes sœurs, que Dieu te bénisse, joyeux anniversaire, je t'aime. Allez, ça l'est fini pour la Mokola Lelo. Merci pour la confiance, paix, fidélité, beau paix, ça. Merci. La grande équipe technique, Bazalaki, Nassima, il y a caméra, Benny Lola, chef caméraman, Papa, na 4B, les géants, Serge, Lokondo, Jacob, Kayanda, Adomusha, Fiston, Perro, Bazalaki, Wana, Po, na quoi accompagner, Bino, Régie finale, Nassima Maki, na Jérémy, Fouetta, Pe, Bondi, Vukulu, Bamata, Makita, Babal Kormabile, Ngaïna, Bino, Tukutani, Bino.